Salut tout le monde, c'est KingGame2 et on se retrouve encore pour une nouvelle reaction trailer que... si vous avez vu ma précédente vidéo de reaction trailer, vous savez que les deux vidéos sont liées puisque voilà, je les ai fait une à côté de l'autre. Donc je vous mettrai le lien de la première vidéo à la fin de cette vidéo et vous avez le lien de cette vidéo dans l'autre vidéo si vous êtes... Enfin voilà, de toute façon vous êtes ici. Donc voilà, nous sommes ici ensemble pour voir, je pense, mon dernier trailer... de Pirates des Caraïbes, puisque vu la durée du truc, ça commence à devenir les TV spots, puisque plus ça devient court et plus on se rapproche du film, et donc forcément on se rapproche des TV spots, et les TV spots sont pourrés d'images inédites. Donc j'imagine qu'il y a pas mal d'images inédites dans celui-là, même si à mon avis il y a aussi des images qu'on a vues auparavant. Donc on va voir ça immédiatement, et puis je pense... avec une quasi-certitude de vous dire que ça sera probablement mon dernier reaction trailer de Pirates des Caraïbes. Eh bien, commençons. C'est parti. Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. Jack Sparrow cursed me. I will have my revenge. Are you sure you're the Jack Sparrow? C'est temps que le thème revient. Does not require such intricacies. Find Sparrow. Karina is the only one who can help us. I'm not looking for trouble. What a horrible way to live. I choose not to believe in ghosts. Do you not see what's behind us? Monkey. This film contains scenes that may be too intense for younger viewers. Bon ben voilà, comme prévu, hein, c'était très court. Il y a quelques images inédites et il y a les images qu'on avait déjà vues avant. Donc oui, je confirme, c'est bien ma dernière de Pirates des Caraïbes déjà, malheureusement. Mais bon, là ça commence trop à nous montrer. Il nous manque, il reste encore 2 mois à attendre. Donc on va essayer de tenir bon et de pas faire l'erreur qu'on a fait avec Kong. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, la bande-annonce est quand même moins palpitante que l'était celle de Justice League. Mais bon, ça fait quand même encore une bande-annonce et voilà, c'est quand même, ça reste sympa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Rien d'extraordinaire à nous mettre sous la dent quand même, parce que bon, la plupart des images, on les a déjà vues. Je peux pas dire que ça m'a bluffé, cette bande-annonce ne m'a pas bluffé comparé aux autres. Elle est sympa, mais sans plus, voilà, ça commence à devenir des TV spots. Ça commence à devenir de plus en plus petit, et à nous montrer de plus en plus de scènes inédites. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un autre truc à rajouter? Je pense pas, pas sur ce film du moins. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce concept vous plaît toujours, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!